Et bonjour à tous, c'est Mister Gecko. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre Let's Play sur Phoenix Point. Donc la dernière fois, on avait terminé la mission qui nous avait permis de récupérer la base Phoenix. Et du coup, j'avais arrêté le stream, enfin la vidéo à ce moment-là, et il y avait eu une petite cinématique pour nous présenter un peu l'histoire du jeu. Donc a priori il y a eu un virus qui s'est développé et il y a trois factions qui se sont relevées de tout ça un petit peu. Et nous on était un peu une coalition de tous les pays du monde qui avait formé une force de frappe pour protéger les humains, mais ça avait a priori échoué à cause d'un espèce de brouillard et de ces créatures qui venaient de la mer. En fait, les humains étaient attirés par la mer et du coup se jetaient dans l'eau et revenaient en tant que monstres. Et du coup, on était arrivé sur cette interface de la géosphère, ou la géoscape, où je suppose qu'on va avoir nos missions, un peu comme l'interface comment ça s'appelle, dans XCOM. Donc là maintenant, là il nous propose d'aller ouvrir l'onglet base, donc c'est ce qu'on va aller voir. L'onglet base, alors, votre base est la forteresse contenant toutes les installations ainsi que les ressources vitales comme la nourriture, les matériaux, la technologie. Phoenix Point a connu de meilleurs jours. Vous devrez réparer votre garage avant de pouvoir lancer votre vaisseau Manticore, ce qui prendra du temps. C'est exactement comme XCOM. Commencez les réparations de votre garage en appuyant sur le bouton OK, retournez ensuite au géoscope et accélérez le temps. Alors, réparer l'installation. Donc il me faut ça et ça, ok, donc je fais ok. Hop, ça prend 10 heures, très bien. Donc après on voit qu'on a des trucs ici, pareil, on va pouvoir construire des nouveaux trucs, je suppose. On va a priori pouvoir avoir plusieurs bases, si j'ai bien compris. Donc là on retourne dans la géoscape. On fait accélérer le temps. Ok, je peux aller plus vite, bam, voilà, personnel. Avant d'envoyer votre escouade explorer, vous devriez équiper vos soldats et les faire passer au niveau supérieur. C'est avec ce bouton personnel. Ok, donc c'est passé en pause tout seul automatiquement. Donc ça, si je vais dans base, ça l'a réparé. Mais là, du coup, il me faut de l'énergie, je suppose, c'est ça. Ah non, d'accord, c'est pour alimenter ou désalimenter certains trucs. Donc on a un relais satellite, on a une usine de fabrication, un générateur d'énergie, un labo de recherche, une station médicale, un quartier d'habitation, un entrepôt et un ascenseur d'accès. Okay. Personnel. Donc là, ouais, on se souvient, il y avait trois personnages qui avaient monté de niveau. Donc ça, je sais pas à quoi ça sert. Manticore 1, ok. Modifier l'unité. Équipez vos soldats. Vous pouvez équiper vos soldats de nouvelles armes, armures et d'autres objets en faisant glisser l'équipement disponible dans les entrepôts jusqu'au emplacement correspondant de la section inventaire. Vous pouvez équiper immédiatement. Équiper ou produire des objets dans les emplacements prêts en utilisant un bouton plus mission et plus objet. La section armure montre les armures portées par les soldats au niveau des jambes, du corps et de la tête. Ok, la section greffe est utilisée pour l'équipement spécial pour uniquement être attaché aux parties d'armure correspondantes. Ok, très bien. Entraînement des soldats. Les soldats peuvent augmenter leur puissance, leur volonté et leur vitesse, ainsi qu'acquérir de nouvelles capacités en dépensant des points de compétences. Ok, donc ça c'est ce qu'on va voir sûrement. Si un soldat a épuisé tous ses points de compétences personnelles, il peut utiliser les points Phoenix qui sont disponibles pour tout le monde. Les soldats peuvent uniquement acquérir de nouvelles capacités d'un niveau équivalent ou inférieur au leur. Ok. À partir du niveau 4, chaque soldat déverrouille la possibilité de se spécialiser dans une classe supplémentaire. La deuxième rangée de capacités présentes représente les capacités d'origine du soldat. Une fois que vous avez ajusté les caractéristiques et les capacités du soldat, retrouvez au géoscape. Ok, alors lui. Donc là, on est sur Irina Sokolova. Donc a priori, c'est une sniper. Ok, donc là, elle est entraînement de tireur d'élite. J'ai.
Ok, j'ai des points de soldats, des points de phénix. Je suppose que ceux-là, ils sont communs à tout le monde, donc il va falloir faire gaffe. Puissance. Alors, la puissance détermine le maximum de points de vie, le poids qui peut être porté et la distance de lancer des objets. La volonté détermine le nombre maximum de points de volonté en combat qui sont utilisés pour les capacités. Lorsque les points de volonté sont épuisés, cela provoque la panique. Ok, la vitesse. Le nombre de cases sur lesquelles peut se déplacer une unité à son temps son tour. Alors, ce serait bien qu'elle. Ah, d'accord, ça coûte 10, ça coûte 11, ok. Ah oui, ça aussi, ça coûte des points. Un coup de vigilance est réduit de 1 point d'action. 30% de restauration des PV de bonus. Je crois qu'on va prendre ça. Parce qu'un sniper en vigilance, ça peut être pas mal, non? Je pense. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des munitions. On a que ça, on a ramené que ça de la mission, bah dis donc. Ah, soit on monte sa volonté du coup. Point de volonté en combat. Ouais, bof. La puissance peut-être plutôt. C'est quoi? C'est les points de vie, le poids et la distance de lancer. Pff, non, on s'en fout. On va faire ça pour le sniper. Ok. Donc là, 0 points. Très bien. Alors. Pareil, on a deux nouvelles armures. Ah ouais, donc en fait, j'ai pas récupéré tout ce que j'avais looté. Ok. Attends, attendez, attendez, attendez. Retour. On peut voir ceux qui ont pas de. Ceux qui. Ok, je ne vois pas. Alors, elle. Elle a 14% de furtivité. Je suppose que ça dépend de ses équipements aussi, ça. Précision, perception. Puissance. Alors, lui. Donc là, on a les deux soldats. On a trois soldats classiques. Dont elle qui est notre. Spécialiste quoi, ils ont des armures classiques alors qu'elle a une jolie armure et lui c'est notre soldat lourd. Précision moins 16, furtivité moins 40. Ça je suppose que c'est dû à son armure, voilà. Ouais c'est ça. C'est son armure qui fait ça. Ah par contre ils ont chacun des trucs donc là je peux lui donner des trucs, ça change quoi ça? Ça change rien. Lui on va lui donner des grenades lui. Ah, je peux en donner autant que je veux. Ah non, d'accord, j'en ai là, ok. Non, c'était pas du tout ça que je voulais faire. Bah, du coup, on va les remettre là, les. Greffe. Ok, donc ça va être des trucs plus tard, on verra. Ah, ok, je peux les personnaliser. On va pas les personnaliser, on n'a pas le temps. Faites voir, motif de l'armure. Ah, je peux mettre des motifs, ça c'est cool. Couleur principale. Ah si, on va faire ça quand même. On peut pas enregistrer par contre un. Est-ce qu'on peut pas enregistrer un preset? Ah oui, ok, d'accord. Là, je vois les trucs. Ça trie par classe. Ok, donc c'est bien fait quand même. Alors lui, il a 20 points de soldat. Ok. Par contre, il est pas niveau 2 encore. Ça coûte combien? 10. Donc on va monter un des trucs là. Bon, lui, il faut de la puissance, des points de vie. Ce serait bien qu'il ait de la vitesse lui aussi quand même. Hop, on va monter sa vitesse. Ok. Ensuite, alors, ah oui, c'est ceux qui sont niveau 2, donc c'est elle qui est niveau 2. Donc elle, on va aller voir, on va lui donner un peu des balles, voilà. Et là, qu'est-ce qu'elle peut faire? J'ai 30 points. Déplacez-vous dans la moitié du rayon normal de déplacement. Maximum de 6. Déplacez-vous dans la moitié. Ah d'accord, c'est une action gratuite quoi. Car arrière, 25% de portée des grenades bonus plus 2 en vitesse, c'est pas mal. Ça pourrait être pas mal pour elle. Du coup, elle jetterait des grenades. On pourrait faire. Ça coûte 25. Ouais, vas-y, on va faire ça. Ok. Du coup, on va lui donner des grenades. On va lui donner moins de balles. Peut-être moins besoin de balles. Ok. Ensuite, Jacob Eber. J'aimerais changer leur couleur quand même. Alors. Remarque orange, c'est bien. Orange, j'aime bien. Alors, lui, il a deux trucs disponibles. Alors la spécialité au corps à corps, j'aime pas bien les trucs de corps à corps. Vous maîtrisez les fusils à pompe avec 20% de précision.
Et la maîtrise des armes de contact avec plus de 20% de dégâts. Ah, ça paraît pas mal, fusil à pompe. Déplacez-vous dans la moitié. Ouais, ok. J'aimerais bien leur donner un peu plus de... J'aimerais bien tous leur donner un peu plus de... De mobilité. Il reste 14 points. On va pas utiliser les points Phoenix tout de suite. La volonté, ça fait quoi déjà? Les capacités... Ok, c'est combien de temps il se met en panique? Maximum de points de vie. On va attendre peut-être. On va attendre pour pouvoir reprendre de la vitesse. Ok, très bien. Et donc eux, ils ont quand même des points. Oui, on les a dépensés d'ailleurs. Lui aussi. Oui, on les a dépensés de toute façon. Ok, alors. J'aimerais bien les modifier un peu. Leur apparence. Personnaliser. Couleur des yeux, orange. Mais orange, c'est bien. Alors, couleur principale. Vas-y, on va mettre orange si on peut. On peut pas mettre orange. Oh. Et là? Ouais, y a pas de couleur ouf, hein. Orange et rouge. Y a pas un... Ouais. Ça pique. C'est flashy, hein. Y a pas un petit bleu un peu plus clair, non? Vas-y, orange et bleu comme ça. Très bien, ça on y laisse, on s'embête pas. Motif de l'armure, ça c'est classe. Alors c'est un sniper. Ouais, y a des jolis trucs. Bon, on va pas passer 10 ans à mettre un truc comme ça, c'est pas mal ça. Ok. Ensuite, lui. On va faire pareil. Couleur principale. Orange. Ouais, d'accord, on peut pas changer ce orange là. Ah, a priori si, il se change des fois. Ouais, mais j'aime bien l'orange moi. Comme ça, c'est pas mal ça. Ok, et là on met le bleu. On a dit 14. On va tous les mettre, les unifier, hein. Voilà, par contre, on va peut-être changer. Voilà, toi, tu vas prendre ça, c'est pas mal. Ok, ils vont chacun avoir leur symbole. Omar, Achour, allez, hop, personnaliser. Je peux les renommer? Ah, je peux les renommer. Ouais, mais ceux-là, c'est ceux de départ. On va peut-être pas les renommer, ceux-là. Alors là, on a dit deux, comme ça. Ça fait quoi, là, deux? Je crois peut-être plus mettre orange. Ça fait trop jaune, ça fait pas orange. Moi, j'aurais bien voulu un orange. Y a pas de vrai orange. Allez, vas-y. Ça fait hyper flashy, j'adore. J'adore. Allez, vas-y, toi, tu vas garder ça, c'est très bien. Yes. Ok, Sophia Brown. Personnalisé. Là, on met orange. Hop, et là on met le 14. Voilà, très bien. On peut la renommer aussi celle-là? Oui, on peut. Mais on ne va pas la renommer elle. Ça, c'est joli ça. Bien. Hop. Très bien. Hop, et on unifie nos soldats. Là, c'est 2, là, c'est 14. J'ai pas mis encore, ça c'est pas mal. Ah si, je l'ai mis à l'autre, ça je crois. Allez, ça, pouf. Voilà. Ok. Ok. Donc ça, on va garder cela avec leur nom de base, je pense. Et on renommera les prochains soldats qu'on récupérera. Bon, remarque, on va utiliser tout le temps cela, a priori. Bon, allez. Lui, on l'a récupéré. Non, elle, on l'a récupérée. Alors, elle, on va la renommer. Elle, on va dire que c'est Aminou. Hop. Premier.
premier mécène à rejoindre le groupe. Aminu sera un sniper. Takeshi Sato, je crois qu'aussi c'est un qu'on a récupéré. Au départ, on avait ces deux-là. Et après, on a récupéré lui et lui. Donc, elle est Takeshi Sato. Non, mais non, je ne veux pas ça. Merde. Qu'est-ce que j'ai enlevé là? Tu vas prendre ça, toi. Plus mission équipée chargeur. Ah, d'accord. Ok, ça fait ça. Très bien. C'était ça tout à l'heure qui me disait. Alors, Takeshi Sato, on va dire que c'est... Qui c'est que j'ai noté? Allez. Poslovitch. Très bien. Ok, et ensuite... On a... Omar Achour. On va dire que c'est Gaelden. Voilà les trois premiers mécènes à rejoindre. Donc j'ai pris un peu, j'ai pris aléatoirement. Hein. J'ai pris des noms de ceux qui avaient voté pour le jeu et je les ai pris. Voilà. Ok, très bien. Personnel. Donc là on a fini notre personnel. Donc le Manticore et le vaisseau permettant de transporter vos troupes et d'explorer le monde. Son équipage est affiché dans la jauge du vaisseau. Ok, donc je suppose qu'après on va avoir plusieurs vaisseaux qu'on pourra envoyer à différents endroits, etc. Pour faire différentes missions. Envoyer votre Manticore en territoire inexploré. Un endroit ciblé, sélectionner, se déplacer. Ok. Là je prends mon Manticore, je clique là, se déplacer. Boum. Très bien. Au tout début, tous les sites du Geoscape sont inexplorés. Ils sont marqués d'un point d'interrogation. Oui, évidemment. Il vous faudra au moins un soldat à bord du vaisseau pour les explorer. L'exploration prend du temps et vous courez le risque d'être pris en embuscade. Alors restez vigilant. Explorez. Ok. Pouf. Ok, donc à chaque fois, ça va nous faire une mission. Encore des Pandoriens. On a un niveau de menace qui est faible. Au niveau de lumière, on est en jour. Le site de... C'est un site de ressources. On prenez autant d'objets et de caisses que vous pouvez porter sans risque. Et évacuez votre escouade. Les renforts ennemis arriveront en continu depuis la zone qui porte ce symbole. Ok, comment on s'extrait? Ok, donc là je les ai tous. J'ai déployé l'escouade. Pouf. Oh, c'est quoi ça? Veuillez toujours à équiper vos hommes de chargeurs supplémentaires. Un soldat sans munitions lors d'une mission est inutile sur le champ de bataille. Ah oui, j'ai pas pensé à ça. Je leur ai pas tous donné des munitions, je crois. Certains, mais pas tous. Donc, là, le truc, ça va être de... ça va être de... mettre en position notre sniper et de récupérer les caisses de ravitaillement et potentiellement si ça se trouve de récupérer un soldat aussi. Peut-être qu'on trouvera quelqu'un de plus. Je sais pas à quel point on va avoir beaucoup d'unités dans ce jeu. De mémoire dans XCOM c'était pas... on n'avait pas énormément de soldats. Ah remarque si hein, on avait une petite liste quand même à la fin, je me souviens. Ok. Et joli vaisseau. Those crates contain valuable material, so grab everything you can. This place will be crawling with mutants any minute now. Ok, c'est des mutants sous peu. Très bien. Alors, estimation des dégâts. Phoenix Point utilise un système d'estimation des dégâts. 100% de vos tirs atteindront les... Le cercle externe, ok, donc ça, toutes les tirs atteindront cette zone-là, et 50% la zone cercle interne. Plus l'ennemi est proche, et plus l'arme est précise. Plus le nombre de tirs qu'il y a de cibles, c'est... Oui, forcément, voilà, ok, très bien. Ok, ça on a déjà vu, en fait. Ok, donc là, les ennemis, ils arrivent de là. Ça, c'est la zone d'extraction. Voilà, attendez, faut que je me mette en... Voilà. C'est mieux. Donc là, on a une zone d'extraction ici, on a une caisse là, on a une caisse là-bas. C'est quoi ça? On a une zone blanche, je sais pas ce que c'est, donc on va essayer de la récupérer. On a une caisse tout là-bas, on a une zone blanche ici aussi, je ne sais pas ce que c'est. Comment on va faire?
Est-ce qu'on part d'abord là-bas, après on revient là, et après on vient s'échapper par ici? Ce serait peut-être pas mal ça, hein. Ce serait peut-être pas mal. Alors, du coup, le bourrin, lui, il va venir ici. Target located. Déjà? Ennemi détecté? Où ça? Ok, bon. Ça commence bien. Tu vas venir là, du coup. Encore? Ah, donc il y en a déjà dès le début, quoi. Oh, ici aussi. C'est quoi ces cercles blancs, là? Qu'est-ce que ça représente? Évacuer tous les agents Phoenix. Qu'est-ce que c'est que ces cases blanches là? C'est quoi si je viens là? Encore? Oh là, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Info. Sentinelle de brume. Préparation pour activer la capacité spéciale au tour suivante. Capacité générale sur le bon. Ok. Il peut tirer d'où il est. Ouais, donc là il va louper la moitié de ses tirs. Il est beaucoup trop loin lui. Ah mais lui il peut faire ça, c'est vrai. Point de volonté. Les personnages démarrent le combat avec des points de volonté, ok. Équivalent à leur volonté. Les points de volonté sont utilisés pour les capacités spéciales. Les soldats perdent des points de volonté quand leurs alliés meurent et en récupèrent quand ils utilisent la capacité récupérée. Ouvre des caisses ou tue des ennemis, ok. Lorsque les PO personnages d'affaires est zéro, il y a un temps panique, ok, très bien. J'ai compris. Toi, je crois que tu vas venir là, en fait. C'est pas mal, ça. Là, il n'y a qu'un ennemi, là, on est d'accord. Tu vas peut-être encaisser un peu au début, mais bon. Alerté. Zone de points de volonté. Ah, les zones de points de volonté représentent des zones du champ de bataille dotées d'un avantage stratégique. Entrez dans la zone de points de volonté avec l'un de vos agents. Restaure les points de volonté de toute l'escouade. Ah, c'est bien ça. N'oubliez pas que le nombre de points de volonté ne peut pas être supérieur à la volonté maximale. Ok. Très bien. Ah oui, il y a un autre ennemi là-bas en plus. Hein. Donc il va falloir s'en débarrasser. Peut-être qu'on va utiliser notre sniper. C'est à minou notre sniper, hein, on a dit. Ouais. Ah, oh, par contre, ça coûte 3 points d'action, quoi. C'est assez affreux, ça. Alors, attendez. 1, 2... Oh, le sniper, c'est chaud, hein. Sniper, c'est chaud, hein. Alors d'ici, on peut tirer sur l'autre là-bas. C'est marrant ça. Ah bon? Waouh, si on arrive à le toucher. Ce sera un putain de miracle. Ouais, c'est ce qui me semblait. C'est un peu de la merde, ça. Ok, donc toi, tu vas venir là. Poslovitch, allez. Et tu vas nous tirer sur ce machin dégueulasse, là. Tête de brume. Oh, ça a de la vie, ça. Laisse tomber, vas-y, bah dans la tête, là. Voilà, parfait. Toi, tu vas venir ici. Jacob Hébert, tu vas nous tirer sur... Est-ce qu'on tirerait pas sur le truc là-bas plutôt? Il y a lui là-bas aussi. Attendez, lui là... On peut le tuer. Ah, ça fait beaucoup de tirs. Non, on va tirer là quand même. Voilà. Ok. Lui, il va venir là. Sophia Brown, elle va venir là. Et elle va tirer, non, sur lui là. Allez, on le tue. Yes! Parfait, un de moins. Ça c'est bien. Ok, donc là on termine notre tour. Alors qu'est-ce qu'il fait lui? Il fait de la brume.
Wow. La brume. Une sentinelle de brume vient de commencer à diffuser de la brume virale autour d'elle. Les agents phénix qui entrent dans la brume perdront des points de volonté et les ennemis seront alertés de leur position. Les pandoriens qui entrent dans la brume récupéreront des points de volonté. La brume ne se dissipera pas et ne peut être retirée qu'avec les armes à feu ou explosives. Ok. Ok, donc il va essayer de me défoncer. Il va me défoncer même. Aïe. Lui aussi. Ouais, j'aurais pas dû faire ça. C'était un peu con comme idée. Ok. Bon, eux déjà, ils tirent pas. Ça, c'est un avantage. C'est que ces ennemis-là ne tirent pas. Alors toi, tu vas tirer sur lui, là. Boum. Un de moins. Parfait. Très bien. Du coup, tu vas venir... Pourquoi c'est blanc ça? Tu vas rester là. Ça m'embête un peu qui est l'autre là. Tu vas venir là. Hop. Voilà, toi. Alors là, on a dit qu'il y en a un qui est passé ici. Lui il est là-bas. Et lui il est là. J'en ai que trois en visu. Hein. Donc. Est-ce que tu peux te mettre en vigilance comme ça toi? Ça fait un peu loin, on va peut-être utiliser le sniper pour faire la vigilance là. Ok. D'ici, tu peux tirer sur l'autre là-bas. Mais c'est pas ouf comme position. C'est pas ouf comme position. On le voit pas, et les barres non plus on le voit pas. Punaise, sniper c'est pas terrible. 1, 2. Le problème des snipers c'est qu'il va falloir qu'ils gagnent en mouvement, hein. Vraiment. Il va vraiment falloir que le sniper gagne en mouvement. Sinon ça va être chaud. Toi tu vas rester là pour le moment. Ok, toi du coup tu vas venir ici. Hop, et tu vas nous tirer sur lui là-bas peut-être plutôt. Ah, dommage. Voilà, moché, c'est bien déjà. Peut-être qu'en venant ici, lui il pourra battre l'autre là-bas. Le terminer. Ouais, vas-y, tire. Voilà, très bien. On en a un de moins. C'est parfait. Hop, il nous reste Sabrina Brown. Sabrina, c'est ça? Sophia? Sophia Brown, c'est marqué là. Ok, alors elle, elle va venir ici, je pense. Non, ici, c'est mieux. Donc là, le but, c'est de rester collé, hein. Ok, donc lui il fait quoi lui? Il se reprépare à faire de la brume, il reste au même endroit. Ah, ça s'agrandit. Oh, ah ouais, d'accord. Renfort infini. Ouais, vous n'avez pas besoin de récupérer toutes les ressources pour atteindre notre objectif. Ouais. Ok, bah on va essayer de tout prendre quand même. Ok, donc lui, paf, allez, tue-le. Oui, fantastique. GG. C'était exactement ce que je voulais faire. Alors là, ils vont pop. On sait pas trop d'où, mais ils vont pop. Si tu tires sur l'autre là-bas, toi, tu lui fais quoi? Vas-y, bah tire, on verra bien. Bah très bien. Très bien, très bien. Du coup, tu vas venir t'avancer ici. Ça, c'est cool. On peut plus remonter. Ah, c'est dommage, j'aurais peut-être dû le remettre en haut. Donc tu vas attendre, toi. Ensuite, on a dit qu'on allait se diriger par là-bas. Donc toi tu vas venir ici. Faut qu'on se dépêche quand même, hein. Pas qu'on traîne trop non plus. Sachant que du coup il y a deux caisses là-bas et une caisse là. Et que nous on va aller là-bas et revenir ici. T'as pas des grenades toi? Non, il a pas de grenade lui.
sûrement pop ici du coup. On va venir là quand même. On va venir là quand même. On va tirer sur ce truc là. Oh, il lui reste pas beaucoup de vie. Ok, toi tu vas venir courir là. C'est peut-être pas bon de rester trop près là. C'est pas, peut-être pas bien malin ça. C'est peut-être pas bien malin ça. Ouais, je pense que c'est pas bien malin. On verra ça plus tard. Sophia Brown, elle, elle va venir ouvrir cette caisse. Direct. Pack de ressources. Cette caisse contient un pack de ressources. Si vous le sortez du champ de bataille par une zone d'évacuation, les ressources seront ajoutées à vos ressources générales. Les ressources sont cruciales pour la réussite du projet Phoenix car elles servent de à construire des structures, fabriquer des équipements et à recruter des soldats. Ok, bah vas-y, on parque tout. Hein. Et des balles pour le fusil. Très bien. Ok, ensuite notre sniper. Notre sniper, on va essayer de le bouger. Ici, c'est un truc stratégique là. Bof. Moi, je l'aurais bien amené plutôt par là, mon sniper, pour le moment. Hop. Voilà. Ah, par contre, ils vont m'agrandir la zone à chaque fois. Donc il y en a un qui a pop là-bas, il y en a un qui a pop là. J'espère qu'il n'y en a pas 10 tonnes qui ont pop. Il y en a deux qui ont pop. Ça fait quoi? Ils ont dit qu'on pouvait la détruire, la zone. Zone d'évacuation, une fois que vous avez récupéré le plus de ressources possible, ok. Très bien. Lui, il est où? Oh non, il est trop loin, lui. On va tirer sur lui, visée libre. Voilà, comme ça. Quoi, il l'a loupé? Ah non, c'est bon, j'ai cru qu'il l'avait loupé. Ok, et tu vas descendre ici. Ok, toi tu peux tirer sur lui, mais c'est un peu loin, non? Ouais, clairement. C'est qui a des grenades là? C'est qui a des grenades? C'est pas lui? Non. Ok, elle a des grenades. Ok. Si j'ai bien compris, les grenades, ça peut... détruire ça. Qu'est-ce que ça fait? Bon, c'est une... Est-ce que ça fait genre explosion? Est-ce que... J'ai pas compris ce que ça faisait. Ah oui, d'accord, ça le pousse, quoi. Partie du corps désactivée. Cette partie du corps du personnage a subi des dégâts et est maintenant désactivée. Les membres désactivés nuisent à la capacité de l'unité à utiliser des armes et capacités. Ok. Ok. Très bien. Donc alors attendez, les ennemis, on en a un là et l'autre il est là-bas derrière. Ok. Très bien. Donc elle a joué. On va lui rééquiper ça. Ah mince, j'ai pas assez de points d'action. Ok. Donc lui. Lui, il peut pas lui tirer dessus là. Bah lui. Lui, il va venir là. Et il va se mettre en vigilance. Comme ça ou comme ça? Comme ça. Voilà. Lui, je dirais qu'il va venir par là. Ok. Lui, il a plus de points d'action. On va passer. Et lui... Ah non, elle, pardon. Hop, on passe aussi. Et enfin, Aminou, il va falloir qu'il se place. Il va falloir qu'il se positionne, Aminou. Mieux serait de se placer à l'intérieur. Ah ouais, il serait pas mal ici. Hein. Il serait pas mal là. Hein. Aminou. Hop. On va passer aussi. Hop, oui. Donc lui va se déplacer. Boum.
Voilà, parfait. Par contre, on va être obligé de passer là-dedans, quoi. On va être obligé de passer là-dedans. Bah, lui, il va falloir qu'il se déploie, qu'il gagne en mobilité aussi, hein. Pouah. Parce qu'il est vraiment pas mobile, quoi. Ou alors je le fais venir par là, carrément. Alors, ça aurait été bien qu'il saute là-bas, en fait. On va le faire avancer, d'abord. Et au prochain tour, alors déjà lui, il va tirer sur lui. Vas-y. Ok, très bien. Ça, c'est parfait. Du coup, tu vas te mettre en vigilance, mais je sais pas trop par où. Parce qu'on sait pas par où vont arriver les ennemis. À la limite, on est même tranquille, là, j'ai envie de dire. Il va se mettre en vigilance par là. Toi. Il me sert pas à grand chose en fait. Je suis jamais. Dans ce genre de jeu, j'aime jamais les soldats lourds. C'est en général ce que je prends en dernier quoi. Justement parce que je sais jamais comment les utiliser correctement. Parce qu'en général, ils se déplacent pas bien. Ils sont puissants de près, mais pas de loin. Donc du coup, ils ont besoin de mobilité, mais en même temps, de base, ils se déplacent pas trop bien. C'est un peu pénible. Ok, alors toi, tu vas venir là. Il va bien falloir envoyer quelqu'un chercher ses caisses. Il va même falloir envoyer deux personnes chercher ses caisses. Je pense. C'est où l'échelle, là? Ah, c'est tout là-bas, l'échelle, en plus. Super. Bah, ce serait bien que lui, le prochain tour, il se balance en haut là-bas. Toi, tu restes là. Elle, elle est ici. Donc, elle, la caisse, elle est vide, là, on a dit. Hein. Elle. Il y en a deux qui ont pop ici, donc sûrement qu'il n'y en a pas qui vont repop là, là. C'était là et là, hein, donc peut-être que là-bas, il y en a qui vont pop. Par derrière aussi. On va se mettre ici en vigilance quand même. On va essayer de jouer la sérénité. Hop. J'ai l'impression qu'elle peut pas faire de la vigilance là, mais bon, on verra. Toi, tu bouges pas. Hop. Et je vois qu'on en est à 38 minutes de vidéo, donc on va peut-être s'arrêter là et on finira cette mission la prochaine fois. Sniper, vigilance comme ça. Comme ça, ça marche là. Allez, vas-y, comme ça, on verra bien. Ok, on va laisser le tour des ennemis pour voir. Activité pandorienne. Ok, bah y'a personne qui a pop. Fantastique. Et toi, tu peux aller là-haut déjà? Non. Comment on monte là-haut? Ah, y'a une échelle là, et lui. Si, bah allez, tu vas venir là, toi. Ah, zut, faut faire comme ça. Tchou! Paf, voilà. Hop, et tu vas venir ici. Ok. Toi, tu vas venir. À moins que. Ouais, si toi, tu vas venir là. Ce serait bien d'être un minimum à couvert. Pour le moment, il n'y a personne, donc ça va. Il n'y a pas d'ennemis, confirmé. Toi. Je suppose qu'ils peuvent pas faire de la vigilance autour, là. Tu vas faire comme ça. Ok. Toi, tu vas venir ici. En vigilance, là. Voilà. C'est pas mal ce cône de vigilance, c'est bien fait. Et elle, la vigilance, elle va la surveiller. Par là aussi, parce qu'il peut y avoir des ennemis qui viennent d'ici. Ok, tour terminé. Toujours pas d'ennemis qui pop? Ah si, voilà. Oh, c'est quoi ça? Un triton. Un nouvel ennemi, le triton. Restez sur vos gardes, ces monstres rusés rôdent sur les champs de bataille et saisiront toute occasion de vous flanquer. Ok. Ok, alors toi tu vas venir chercher la caisse qui est là.
En plus, t'es à peu près à couvert. Ça, c'est quoi ça? Des belles pour. C'est une nouvelle arme, ça, je ne connais pas. Point d'action insuffisant. Fantastique. Bah, écoute, tu vas attendre. Et toi, tu vas venir ici. Tu vas tout ramasser. C'est quoi? Comment ça, point d'action insuffisant? Il était quasiment full en point d'action, lui. Ok, alors toi, du coup, il est où l'ennemi, là? Il est là-bas. Tu vas venir ici. Tu peux tirer dessus, là? Ça va être chaud de le toucher, non? Ah oui, il a pas mal de vie, en plus. 50%, ouais, on va le rater, là. On va le rater. On va faire plutôt de la vigilance. Vigilance par là, là, comme ça. Voilà, donc toi t'attends, on récupérera tout le prochain tour, toi aussi. Toi tu vas tout remettre en vigilance comme ça. Voilà, et elle au snipe, elle peut le te... Non, elle peut pas le toucher, il est derrière. Bah pareil, hein, vigilance par là-bas. Comme ça là. Pouf. Ok, vas-y, fais voir ce qu'il va faire lui. Ok. Raté. Ah ouais, il a 4 bras. Oula oula. Ah ouais, il se déplace pas mal quand même. Ok, donc toi déjà, tu vas commencer par lui tirer dessus. Ok, bon. Ah vas-y, tu vas l'achever, hein. On va pas prendre de risques. Voilà, j'avais dit que j'arrêtais, j'ai pas arrêté. Ça va être trop long après les vidéos sinon. Donc écoutez, sur ce, moi je vais vous laisser pour cet épisode et on verra la fin de la mission dans le prochain épisode. Allez, donc sur ce, moi je vous souhaite à tous une bonne continuation et je vous dis à bientôt pour la suite de ce let's play. Allez, salut à tous, ciao.